Résultat du championnat cycle classique des 4 ans. Chez les juments, c'est Cara Bapan, présentée par Émile Pain, qui est la nouvelle championne. Bah, la saison s'est très bien passée. Hein. C'est une jument qui est très respectueuse, qui est peut-être un peu anxieuse sur certains environnements, mais qui va se travailler, je pense, avec l'expérience. Quoi. Hein, elle fait 10 sans faute, elle fait 2 ou 3, 4 points, mais c'est vraiment des fautes, des toutes petites fautes. Quoi. Mais voilà, c'est une jument qui a vraiment de la qualité, qui a de l'équilibre, qui a un super galop. Donc pour moi, c'est une future jument de concours. Quoi. Avec une note modèle de 16,30, la jument Selle Français termine le championnat avec 3,787. Carel Dorado TG, montée par Thomas Lévesque, est deuxième. 151e au top 100, et avec un modèle à 15,50, la jument Selle Français est sans faute sur la piste et termine avec 3,812. Kinshasa Makambo Tom, présenté par Arnaud Rasquier, complète le podium. 209e au top 100 et avec un modèle à 16, la jument Selle Français ne commet aucune pénalité sur la piste et termine avec 3,812 également. Capella de Chanloué, monté par Éric Lelièvre, remporte le critérium jument de 4 ans. Avec une saison parfaite et une 3e place au top 100, la jument Selle Français a également été irréprochable sur la finale. Chez les mâles et ongles, c'est Karaganda Semilly, présenté par Clément Fortin, qui est le nouveau champion. C'est un cheval qui est intéressant, il a un super mental, il est facile et il est très calme, paisible, mais par contre beaucoup de sang. Et quand il a un turbo, c'est un cheval qui a une deuxième vitesse quand il est en piste. Et il a beaucoup d'énergie et puis il a une envie de bien faire, un super mental. Avec une note modèle de 17,10, le mâle Selle Français termine le championnat avec 3,450. Kill Bill Départ, monté par Julie Coursin, est deuxième. Avec un modèle à 16,60, le mâle Selle Français est sans faute sur la piste et termine avec 3,575. Casal du Bidou, présenté par Arthur Levotte, complète le podium. Avec un modèle à 17, le mâle Selle Français ne commet aucune pénalité sur la piste et termine avec 3,687. Cocorico d'Orchival, monté par Thomas Lévesque, et Covid Van de Evexo et Z, présenté par Pierre-Adrien Leportois, remporte le critérium mâle et ongre de 4 ans. Avec une saison parfaite et une 3e place au top 100, le mâle Selle Français et le mâle Zangershai signent les deux meilleures saisons sportives de l'année dans leur catégorie. Bravo à tous ces champions et rendez-vous pour les prochains résultats qui concerneront les jeunes chevaux de 6 ans.